Il était un petit guignol dans son palace cosy, qui m'a dit très gentiment, travaille plus pour gagner plus. Alors j'ai voté pour lui, j'ai fermé ma bouche aussi, et j'ai gaspillé mon temps pour en gagner toujours plus. J'ai face à mon canapé le plus cher des écrans plats, j'ai garé dans mon garage, oui, la plus stylée des bagnoles. J'ai même dans la salle de bain un jacuzzi qu'on s'en sert pas. Après tout ça reste quoi? Les promesses du petit guignol. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Mes enfants, je les embrasse grâce à la technologie. Par webcam de mon bureau, le soir je leur dis bonne nuit. Ils sont mignons, surtout dans leurs tout nouveaux habits. À la sortie de l'église, la photo sur la table de nuit. Le samedi c'est la sortie, comme toujours, au champ Fnac et Flunch. Quand les gamins sont ravis, ça fait plaisir à ma bonne femme. Le dimanche après-midi, oui c'est le golf après le brunch. Puis les bourses à la voisine, on va dîner à Paname. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait Sarkozy. Les Karchers et les racailles, c'est pas vraiment mon affaire. Y'en a pas dans mon quartier, mais moi c'est surtout pour les gens qui les côtoient tous les jours que j'estime qu'il faut faire quelque chose pour les aider, comme ajouter des agents. Et faut bien dire aussi qu'on est bien bien assez nombreux dans ce pays d'assister, nous qu'on peut pas les accueillir. Tous ces pauvres immigrés qui ne veulent pas rester chez eux. C'est pas contre, mais quand même, on peut pas se laisser envahir. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était...